comment allez-vous? Il est 9h du matin et tout va bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le garde. Des rumeurs? Vitsei Dutsai tient un établissement d'une grande propreté. Elle déteste qu'on salisse les lieux. C'est tout à son honneur. Oh, je sais plus quoi dire. Et Rosentia Galenius? Chaque fois que je passe... Oui, vous aussi. Oui, j'ai entendu... Oui, j'ai compris. Oui, j'ai entendu parler de lui. Ah oui, Hieronymus Lex, mais non, laisse tomber. Adieu. Adieu. Bon, bah... Je suis condamné à attendre à ce que monsieur le comte accepte de rejoindre son trône et présence, enfin la bienséance, enfin bref. Bon, voilà, quoi. Je suis complètement déconfit, en fait. Je suis deg. C'est qui, lui? Ne me dis pas que c'est monsieur le comte qui a... Mais non, pas habillé comme ça. Je vois pas de miracle à cabrer son trône. Bon, lorsque monsieur le comte nous honora de sa présence, il est dans le hall de l'entrée apparemment. Ah! Avez-vous quelque chose de nouveau à rapporter? Oui. J'espère parfaitement. Que vous avez réussi. C'est cela même. Service, voilà, concernant le Yawin. Avez-vous appris ce que l'orque vient faire ici? Totalement. Venger un ami assassiné. Une telle vengeance est une noble action. Les Yawin vous remercient de votre service. Et j'ai une récompense digne de haut fait de ce type. Mon offre s'adresse à vous et à votre ami. Souhaitez-vous devenir des chevaliers errants? Je m'attendais pas à une telle proposition, mais je veux bien creuser le... Enfin, dessiner déjà les contours de ce nouveau titre. Je suis très honoré, monsieur le comte. J'ai créé un ordre de chevaliers, l'ordre de l'étalon blanc. Tu es le chef des bandits du gang des Arcs Noirs, un orque du nom de Brugo le Noir. Si vous réussissez, vous et Mazoga recevrez de ma main le titre de chevalier errant de l'étalon blanc, en récompense des services rendus à l'Eyawin. D'accord. Qui est ce Brugo le Noir? Le bandit, Brugo le Noir, est une menace pour le comté de l'Eyawin. On appelle ces maraudeurs les bandits arcs noirs, parce qu'ils utilisent des arcs noirs. D'accord.
Trouvez Brugo le Noir. Exécutez-le pour ses crimes, et je ferai de vous et de votre ami Mazoga les chevaliers errants de l'étalon blanc. Comment on peut traquer ce type ? Dans son passé mystérieux, il se peut que votre ami Mazoga ait été en contact avec les bandits. Demandez-le-lui. Oh, mais Jésus, il faudra que je lui cours après. À part ça, des rumeurs ? Même si cela encourage la mélancolie, il est très plaisant de marcher entre les pierres tombales du chemin vert de l'Empereur et de penser aux défunts qui nous ont précédés. D'autres informations peut-être sur Brugo le Noir ? Avez-vous des nouvelles de Brugo le Noir ? Non, pas pour le moment. Alors vous êtes sans doute pressé de vous mettre en route. Je ne vais pas vous retarder. Le fait d'acheter une maison en ville, juste une idée, une estimation du prix, je vous prie, monsieur le comte. C'est une question de confiance. Je n'ai pas assez confiance en vous. J'entends bien. Rien ne presse de toute façon, et pour le moment, je suis plutôt dans le creux de la vague au niveau des finances. Hein. N'oubliez pas, en récompense, vous recevrez le titre de chevalier. Ça me va. Merci bien, monsieur le comte. Je vous salue. Oui, moi aussi. Tiens, moi, je m'assois. Oh, mince. Je ne peux pas l'atteindre. Alors que j'étais confortablement assis, je suis dégoûté. Bonjour, mon ami. Encore merci de votre aide. Oui, non, je t'en prie. Des rumeurs ? Chouravi tient une bonne auberge. Mais elle est vraiment très dure avec ses sœurs. Et du coup, cet endroit, alors, t'en penses quoi ? J'aime bien les Gawin. Le comte a réussi à vous convaincre de m'aider ? C'est très gentil. De sa part comme de la vôtre. Je crois que je vais rester dans le coin. Peut-être qu'il y a de bonnes actions à faire par ici. Alors, justement, parlons d'un certain Brugo le Noir. Ça te parle, ma grande ? Je connais Brugo. Jadis, avant que je ne sois Messire Mazoga, j'ai partagé une prime ou deux avec Brugo. C'est pas vrai. Waouh. Il serait bon de l'éliminer. Brugo est un abruti. Il a une planque dans une ruine appelée Télep. Toutes les nuits, il s'y rend entre minuit et 6 heures du matin pour toucher sa part. Ah bon ? Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Alors, allons tuer Brugo le Noir et devenons chevaliers. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que vous me demandiez de vous suivre. C'est où ? Ah, c'est à l'opposé de là où je veux aller. Après tout, pourquoi pas ? Je commence cette quête-là, dans l'immédiat. Et après, je fais Oblivion. Ou alors, je l'embarque dans la première porte d'Oblivion qui me permet de résoudre le souci de la guilde des mages. Ensuite, on fait sa quête et si elle accepte de m'accompagner dans la deuxième porte d'Oblivion. Je crois que je vais faire comme ça. On va essayer. Alors ici, je vais faire une grosse sauvegarde, histoire que ça ne finisse pas en... Hein ? Bon. Voilà. Nous sommes compris. Ah. Alors, je te demande solennellement... Si vous êtes prêt à attaquer Brugo le Noir, je suis prête à vous suivre. Oui. Et j'aimerais qu'on fasse autre chose ensemble avant. On va se faire un petit Oblivion. Allons-y. Bon.
que le cheval. N'en déplaise à certains. Ah oui. Que ça va être plus difficile qu'il n'y paraît. Shh.
dans la conclusion, c'est bel et bien un fort dont il s'agit. Non pas d'une porte d'Oblivion. Je pensais que la porte d'Oblivion avait fusionné avec une partie du fort. Mais pas du tout. Je suis arrivé à Fort-Saint-Bleu, le père de Noël va y entrer à l'intérieur. Excellent. J'imagine que c'était rien. Oui, rien ne m'intéresse sur lui. Bon, de toute façon la gueule ici elle est fermée. Il va falloir faire le tour. À moins que. Oh, si je m'amusais avec la télékinésie après tout. Je vais pouvoir te faire ça, non? Non. Attends. C'est ça dont je suis capable. Tu veux voir que je tente ma chance? Ah non. Dommage, ça aurait pu être drôle. Dague, hein.
Prenez-le. Je n'en ai pas. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo le Noir. Et le comte va nous faire chevalier. Oui, ça viendra après, ça. Est-ce que tu peux attendre ici, s'il te plaît? C'est vous qui décidez. Merci. Fais-moi confiance, crois-moi. Au revoir. À tout de suite. Les deux arrivent en même temps, ça va pas. Elle a voulu se mêler à la Rix, elle a dû prendre un demi coup. Et merde. Avec un peu de chance. Allez, on va fêter ça. On va fêter ça. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo le Noir et le comte va nous faire chevalier. À la condition que tu attends ici, ma grande. C'est vous qui décidez. Bonjour. Oui, bonjour. Ah. Mon monde, Mickey. Va vous dire encore.
crois que je peux retirer ma nature. Tu peux me suivre. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo le Noir et le comte va nous faire chevalier. Oui. Mais il faudra attendre un petit moment, hein? Suis-moi. Quand vous voudrez. Merci, ma grande. Bonjour. Où êtes-vous? Rends-moi service, tu m'attends ici. Je suis avec vous. Je sais. C'est vous. Oui, c'est moi qui décide. Au revoir. On verra. Pourquoi est-ce que vous... je sais pas parce que je... L'entraînement a été intensif. Qu'elle va rester là où elle est. Je vais y aller seule, mais je vais revenir. Je reconnais que j'ai de l'adrénaline là, j'en ai dans des coups, dans mes chapeaux. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ! Par la barbe du Zmir, nous en avons trouvé un bon. Ah ! Ça super, fini par faire dodo dans la caisse. Allez, coucher à la niche. Ah, intéressant. La salle de force en bleu. Ah ben c'est cette chose qui m'a intrigué. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo le Noir, et le comte va nous faire chevalier. Yep. Allez, suis-moi. Quand vous voudrez. On y va. Au revoir. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo. C'est vous qui décidez. Adieu. Hein ? Pas d'inquiétude à avoir. Mes yeux me jouent des tours, c'est tout. Oh.
On dirait presque comique. Ah oui, là c'est comique. Cette décapitation. Non mais sérieusement, là c'était très drôle. Ah punaise, l'échange était génial. Bon, on est d'accord, ma copine a envie, il y a intérêt. Ça va bouger. Ça va bouger, on est d'accord. Garde la force, c'est ce que tu fais de mieux. Oh merde. Oh non, j'avais pas sauvegardé, mais quel con! Comment le faire? Non mais c'est trop drôle! Ah oui, j'ai fait le contraire de ce que je souhaitais. Elle ne va plus. Voilà ma copine. Elle est toujours là. Mais je veux ma copine. Youhou!
Pardon, mais là, je vois que Quick. Je rêve. La porte s'est refermée et la flèche est passée au travers de la porte. C'est tout ce que vous savez faire ? C'est une blague. Salle aquatique. Oui, ça fait mal, c'est sûr. Oh merde, ils sont deux. Non, mais pas ça. Thank you.
Oh, ce plongeon. Oh, la glace. Ouh. Bon, pour savoir si on peut congratuler, là, ça sera vachement bien. Avec la classe en plus. Wow. Je deviens bon. Nocturne, je vais prendre une bonne vieille torche. Après tout, c'est circonstance. Ah! Bon, tant que je suis là, autant que je me fasse plaisir. Thank you.
toi. Faut pas que je te loupe. Vraiment pas que je te loupe. Ça, à mon avis, je me sortirai pas. Crie au croc. Alors. Allez, c'est parti. Bon. Moi, je viens jouer. C'est un sarcophage de. Que j'ai affaire avec un vampire quand même. Oh, ah, et il y en a peut-être pas qu'un. Oh non. Non. Oh, oh. Oh, oh. Voilà l'intitulé de la quête. Oh non. Son père était un vampire. Merde. Je m'en souviens. Bon, je vais me donner du courage, je vais d'abord faire l'école. Ouh. Ah bah voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est une juste récompense. J'avais dit de démarche et son père était un vampire. Bon. Tac tac. Ah. J'ai trouvé l'amulette. D'accord. Son père n'était pas forcément un vampire.
Écoutez, restez où vous êtes, d'accord? Je ne peux pas vous laisser partir avec cette amulette. J'en ai besoin. Tout de suite. Il m'a fait peur, ce con. Il m'a fait peur. Pourquoi voulez-vous l'amulette, malheureux? J'ai pris l'autre, et cela aurait dû suffire. Je ne devrais pas subir tout ça, rien que pour me débarrasser d'elle. Ce n'est pas comme si j'allais la garder pour toujours. J'allais la lui rendre, après avoir obtenu ce que je voulais. Ce n'est quand même pas si mal, si? Après m'avoir aidé à sortir de cet endroit et s'être écarté, elle aurait pu la récupérer. Pourquoi a-t-il fallu que vous vous interposiez? Pourquoi essayez-vous de tout faire échouer? De quoi tu parles? Alors, j'ai vaincu Kaltar qui essaie de manipuler Daggail. Il faut que je l'en informe immédiatement. Bon bah, il est pas comme un Kaltar. Robe de mage. Ça devrait me revenir de droit. Hop, ah, la clé de Kaltar, ça me plaît. Son or. Galeron le mystique. Ah, ça me fait des. Ah, un beau squelette, on dirait. Mais il m'a fait peur, cette abruti. Ça va me plaire. Encore que je sais pas si je vais en faire usage, à vrai dire. J'ai la barre de santé à fond. Je suis avec vous. Nous allons tuer Brugo le Noir, et le comte va nous faire chevalier. Ouais. Suis-moi. Quand vous voudrez. Je regrette de ne pas avoir le contact de quoi pouvoir prendre soin à bientôt. Mes alliés. Sérieusement, c'est...
même dans les armes. Je pense que je vais encore pouvoir jouer cette semaine. On va y avoir la suite de l'épisode 20. Je sais pas encore de petits morceaux. Oh, peut-être 3 morceaux, je pense que c'est raisonnable. Et après je passerai à l'épisode 21.